J'entends pas ce que tu dis. Ah non, j'ai affaire à repasser. Ça te permettra d'avoir des beaux cheveux. Je vais aller prendre ma douche après. Ouais, on dirait Tata Milou. T'es mauvais pour les vieux, toi. Hein? Oui, mais tu dis. Tu as ça qu'à faire toute ta journée. Tu en fais pas lourd, hein. Je regarde le Tour de France. Ah oui, ben moi aussi. Samedi soir, t'es libre. J'apporte une bouteille de rosé quand même. Hein. Sinon, c'est pas de charme. Bon, mes petits enfants, je vais vous laisser parce que monsieur, il ne parle pas, il est timide. Tu aimes ta femme, toi, hein? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Tu n'oses pas parler. T'es con, toi, merde. Oh, les gens du Nord. Pas de calais. Alors, tu m'as pas répondu, hein? Là, parce que t'as pas... Hey, 54 ans de mariage. Oh, faut aimer son monde. Ah, bah, moi aussi, bientôt 50 ans, je vais avoir la meilleure du désert. J'ai lavé les pattes. Ah, j'ai oublié les assiettes. Oh là là, il y a les assiettes dans le fond. Oh, le cachetier. Il m'a caché les assiettes dans le fond. Oh, je te le dis, tu vois. Oh, ça va plus, ça. Ah oui, change l'eau. Attends, hop, 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 j'arrête. Attention, papy, on va changer l'eau. Elle est trop sale. Elle est rose. Ils vont dire qu'on l'a mangé des pâtes liquides, la sauce tomate italienne, non? C'est comme d'habitude, ça. Et je lave, et tu me bouscules, comme d'habitude. Nani, nan, nan, nan. Hop! Et je vais remettre du produit à vaisselle, et hop! Tac, tac, hop, tac! La vache! Je l'ai frotté. Ah, que c'est bien. Ton évier aussi est sale? Bah, tu vas falloir que tu donnes un coup d'épaule, mon gars. Eh oui, et dépêche-toi. C'est propre, hein. Sans ça, tu vas te engueuler. Hein. Regarde ça, si c'est propre. Heureusement, je suis toujours obligé de passer derrière toi. Hein. C'est pas normal, ça. Ah, hein. Oh, ça, tu vas te faire engueuler. Hein. Tu vas voir, ta maman, là, je vais lui dire, moi. Tu vois, je frappe le devant et le derrière. Et puis elle est propre. Ça te voit? Je vous vois bien. Je peux sourire. Cet après-midi, on a fait un syndicat justement pour plus faire de vaisselle. Les enfants. Est-ce qu'il y a la propre? Ah oui, 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 oui. Bon, c'est bien. Je dis bon courage. Ouais, tu peux te dire bon courage à moi aussi, hein. Bon courage. Ah, dis donc. Vraiment qu'il n'y a pas un incendie, parce qu'on a été aidé. Là, si vous avez de l'eau qui vite que ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Non. Tu veux faire ça? Du
Normalement, on ne ferait jamais la vaisselle là-dedans, c'est directement. Allez, bon. Allez, bon. Là, les contre-maîtres qui arrivent, là, maintenant. Moi, je suis exécutant, ouais. Ah, mais bah, on n'est pas au mieux, des fois. Hein. C'est pas toujours facile. Grand-père, il y a mamie qui t'attend. Il y a mamie qui t'attend. Faut que de faire la vaisselle. Ouais. La mamie, ouais, la mamie. Bah, mamie, elle va te gronder, Victor, ça fait longtemps. Oh, la mamie, t'inquiète pas pour la mamie. Elle t'a déjà laissé 30 minutes. La mamie, j'ai volé partout. Elle est avec les voisins à côté avant toi. Bah oui, bah oui. Et elle nous a dit de tenir venir. Ah oui, c'est alors tu rentres. Tu rentres, oui. Bah oui. On va te rentrer. On va te rentrer gentiment. Voilà, allez, bah, voilà. On va pas s'affoler. Bah si. Bah non. Mamie a dit. Mamie a dit ce qu'elle veut, je fais ce que je veux. Non mais, vous avez vu un peu les hommes, qu'est-ce que ça fait? Ça papote, ça papote. Voilà l'été, comment ça se passe? Wishing you were here, I'd rise again. Wishing you were here. Wishing you were here.